Gros plan. Notre gros plan aujourd'hui avec Esther Dallel qui est avec nous en direct au téléphone. Elle est à Paris et Esther, bienvenue sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale. Également, merci beaucoup. Donc, vous venez d'écouter Shira Afrid dans une chanson que je suis certain que vous appréciez, en fait. Ah oui. Je me rappelle, ma mère, elle chantait toujours cela. Ouais, c'était très beau. Et vous serez c'est ce soir... patrimoine. Tout à fait. Hein. Ce soir, à 20h, vous serez sur la scène de la Maison de Tunisie et il va y avoir un répertoire spécial et vous êtes d'ailleurs l'invité spécial d'une soirée qui est caritative, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis très honorée de ça et ça me fait plaisir, voilà. Alors, Esther Dallel, le public tunisien vous connaît peut-être peu. Peut-être pourriez-vous nous parler de votre répertoire et puis de votre vocation pour la musique et le chant. Alors, mon répertoire, en fait, on va faire un petit peu de... On va essayer de chanter le tunisien aussi, oui. Et puis, on va mettre en valeur la Tunisie, parce que il faut quand même la mettre en valeur. C'est mon pays, c'est Bladi. elle est dans mon sang, voilà. Et quand je vois la Tunisie, je ressens comme si ma mère qui m'enlace à nouveau, voilà, tout simplement. Et c'est une relation vraiment très spéciale. D'ailleurs, vous rendez vos chantes... Vous chantez Saliha, par exemple. Oui, je vais chanter un peu Saliha, je vais chanter un petit peu. Bon, on a un petit peu choisi le programme suivant les personnes, les chanteurs qui vont faire un répertoire à eux. Et moi, je vais faire une partie tunisienne et ça me fait plaisir. En même temps, je vais mettre en valeur la Tunisie parce que j'ai préparé quand même des petits mots pour la Tunisie. Voilà, j'ai dit « Nefos el warb ul yasmin, nghni ala blad il afida » على تونس اللي ريحتك بالمسك والعنبر ان شاء الله ديما فرحانه معانا معانا ولا حتى تشوفوا كم ساعه Magnifiquement poétique. Merci, merci, Moël, voilà. Super. Oui. Un joli Moël. Et d'ailleurs, le public de l'amphithéâtre Bourguiba pourra vous écouter vraiment ce soir avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez un programme musical pour les semaines à venir? Est-ce que vous allez passer sur d'autres scènes? Non, pour le moment, j'ai rien de prévu. J'espère. J'ai justement un mariage, si tu veux, jeudi. C'est des Tunisiens comme nous et enfin je fais une prestation pour le aîné de sa femme quoi. Ah bah c'est magnifique. Voilà, et vous serez peut-être en Tunisie cet été. Inch'Allah, avec plaisir. Super. Alors Esther Dallel, donc toute une carrière musicale, les auditeurs de RTCI peuvent vous voir sur scène. D'ailleurs, nous avons une sélection de photos que Sofiane Benjima est en train de diffuser. Et nous aurons l'occasion de vous écouter prochainement avec l'enregistrement avec de la plaisir. Soirée. Merci beaucoup. Alors, avec plaisir. Excellent. Merci, journée. Et voilà, je m'apprête à y aller, là, je vais descendre. J'ai pour une heure de route et puis je vais chanter avec plaisir et avec cœur et avec toute mon âme parce que j'aime beaucoup le public tunisien qui est à nous, quoi. Super. Alors peut-être avant de se quitter, une nouvelle fois ce joli Mawel que vous aviez dit il y a quelques instants. Ah d'accord. يا تونس يا عزيز علينا يا اللي ريحتك بالمسك والعنبر ان شاء الله ديما ديما فرحانة معانا Voilà. Merci beaucoup Esther Dallel et puis bonne chance pour Merci votre concert ce soir. Nous étions en direct de Paris avec Esther Dallel qui sera sur la scène ce soir de l'amphithéâtre Habib Bourguiba à la fondation de la Maison de Tunisie pour une soirée caritative qui sera également animée par Karim Shoaib et Al Maoun, une soirée organisée par la Cité Internationale avec le concours de plusieurs organisations, notamment
notamment Bnet Zaim, une association, et le groupe Tarab. Voilà donc Esther Dalel que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook officielle. Et voici Raoul Giourno pour rester sur le même rythme.